ta chaleur. Ça fait énormément de bruit. Les coins ils sont un peu dispatchés quoi. On a un coin là, un coin là-bas, un coin là-bas, c'est mal foutu. Que dire, bonjour. Bon, attendez, je vais refaire des recherches, je vais regarder si je peux trouver le numéro de téléphone de service d'adoption. Ah bah attendez, je vais vous donner le numéro de téléphone, hein, un instant. Succession. Vous avez de quoi noter, monsieur ? Eric Oufalo, le bus est tombé, il est un peu défectueux, mais on l'a signalé, après on va le refaire. Quoi. Tout à l'heure, il y avait un monsieur qui vient, qui sortait de prison, donc voilà. Toujours, on a essayé de garder notre calme, d'observer, de contrôler la situation. On se met à côté du bureau. S'il y a des bruits, on essaie de calmer les gens. Ouais, des gens ils sont un petit peu énervés, quoi. Ah oui. Des réclamations, mais on essaye de les assouplir. J'ai pris peur parce qu'il était là, il regardait tout le temps ici. J'ai appelé la chef du RSA, il est descendu, elle était vers lui. Et moi, je suis passée de l'autre côté pour partir. À qui on peut s'adresser ? Je peux vous donner un numéro de téléphone, madame. On peut, il doit l'avoir. Il doit y avoir un numéro de téléphone. Pour appeler, madame, de 9h30 à 12h30, parce que l'après-midi, il ne reçoit pas. Même ne reçoit pas, c'est que par téléphone, que le matin. Désolé. Bon. Hein. On fout des murs. Ouais. On est repoussé parce que les gens vous disent non, vous ne pouvez pas accéder à telle personne, cette personne n'est pas accessible. Voilà, non, c'est possible. Mais je pense que c'est quand même utile d'écouter la personne parce que tout dépend de sa demande. Donc il y a des personnes qui ont besoin justement de pouvoir expliquer un peu leur situation et par la suite d'être orientées. Donc ils arrivent bien à comprendre que j'écoute et après on leur dit écoutez, je vous passe la personne ou je passe le secrétariat de telle ou telle personne. Là, mon petit-fils, il a 14 ans, il est propulsé dans le monde d'adulte. Alors qu'il n'est peut-être pas forcément prêt pour ça. Ouais. Et je pense que le fait de voir les photos d'enfants, c'est rassurant. Parce que là, on est vraiment dans le monde adulte et j'ai l'impression qu'il a un peu baloté là-dedans. Alors, en plus, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi il est là. Enfin, bref, il y a beaucoup de questions. Et je pense que ce côté avec l'enfant au cœur de l'activité qu'il y a ici, je trouve que ça serait rassurant pour les parents et les grands-parents. L'entrée principale, c'est plutôt ici, mais ça revient au même. En fait, je présente badge à l'agent de sécurité et ensuite je me dirige vers l'accueil pour avoir accès à la salle. D'accord. Donc si c'est une salle au rez-de-chaussée, la personne qui est à l'accueil ouvre directement. Oui. Une fois que j'ai présenté mon badge et puis je descends. Par contre, si c'est une salle à l'étage, on va. Je présente mon badge pour avoir un accès visiteur pour pouvoir prendre l'ascenseur. C'est souvent ceux qui travaillent pour la DASES, mais pas pour la DASES même, les autres arrondissements. À tous ceux qui sont de la ville, moi je suis de la ville, bah, je dis non, même si vous êtes de la ville, vous devez avoir un badge comme tout le monde. Ça m'arrive aussi de prendre des documents de travail et pouvoir les lire si j'arrive en avance, ça je le fais pas. Et vous vous posez où ? Je reste en rez-de-jardin. La plupart des gens de la DASES, ils viennent ici pour, ouais, pour prendre leur petit café et pour téléphoner au même. Tout à l'heure, j'ai discuté avec une de vos collègues, je pense, qui me disait qu'il n'y avait pas d'espace pour déjeuner le midi et que du coup, ce serait pas mal d'avoir des tables. C'est vrai qu'on n'a pas de lieu, effectivement, où on peut déjeuner. Donc, on mange en salle de réunion. Enfin, voilà, on essaie de faire un petit peu. Mais après, je ne sais pas si ce lieu-là serait l'idéal compte tenu du contexte. Accueil à ce bonjour. Je suis arrivée hier et j'ai dormi dans des chaises comme ça, la tente. Et c'était trop long et on n'a pas l'espace pour un peu se reposer parce que je suis arrivée à 11h.
On m'a dit d'attendre. J'ai attendu une heure ou deux heures avant que mon éducatrice arrive, parce qu'elle était occupée à chercher une place pour moi. Et j'étais partie manger à 13h, je suis revenue. À 14h, je me suis endormie sur les chaises. Je me suis réveillée à 16h. Et ils m'ont dit d'attendre toujours, d'attendre. Et mon éducatrice est venue me voir à 18h, je crois, pour me dire dans les box. Attendre et charger mon téléphone parce que dans la salle d'attente, il n'y a pas de prix. Tout à l'heure, j'ai rencontré une fille qui me disait qu'elle ne voulait pas du tout que l'accueil lui fasse ressentir qu'elle était à la DASES, ni même que ce soit marqué, parce qu'elle était gênée par le fait d'être dans cet établissement. Par exemple, imaginons que le stigmate il vient du côté institutionnel. En gros, c'est l'État et l'institution qui s'occupent de moi et plus mes parents. C'est plus des humains, mais une institution. Du coup, peut-être qu'il faut utiliser l'accueil à une moindre mesure pour pallier cet effet-là, quoi. C'est-à-dire gommer la partie institutionnelle de l'accueil, de la DASES, pour mettre en avant les humains qui sont derrière et qui s'occupent de ces gamins-là, quoi. Peut-être qu'il y a un léger changement à faire qui serait de se dire il faut accepter de perdre un peu de temps pour le transformer en temps de convivialité, en temps en soi, en fait, qui n'a que de valeur en soi pour produire un peu de... pour aider les personnes sorties de la solitude à se sentir mieux quand ils sont dans le moment d'attente. Enfin, tout à l'heure, c'était un peu triste, quoi. Ils étaient tous devant leur téléphone. C'est vraiment deux scénarios radicalement différents. Soit on leur dit, soit on leur trouve des moyens pour fuir le plus possible et que le temps semble passer le plus vite possible. Soit au contraire, on utilise ce temps comme un temps de capacitation dans lequel tu vas faire des trucs, tu vas pouvoir quand même t'épanouir en dépit de la difficulté dans laquelle t'es, quoi. Et soit le silence, ça fait du bien parce que du coup, ça comble un peu quelque chose. Et voilà, ou soit c'est hyper gênant et ça crée des situations très très bizarres. Oui, alors que s'il y avait des prétextes à parler, tu vois, des prétextes au dialogue, en fait. Mm-hmm. C'est un peu ça qu'elle nous disait, hein, l'autre, quand même. Elle nous disait, il faut trouver des prétextes au dialogue. Mm-hmm. Quand elle parlait de jeu, c'est un peu sa première intuition, mais en vrai, elle nous disait juste, il faut trouver des prétextes pour qu'il soit pas devant l'écran et que ça parle, quoi. Des choses qui font parler, en fait, et qui font échanger, quoi. Oui, il y en a une qui me disait, par exemple, pourrait y avoir des journaux avec les actualités, et puis tu discutes... Là, c'était une éducatrice. Et puis tu discutes de l'actualité avec le ou la jeune. Qu'est-ce qu'on pourrait tester cette semaine, parce que nous, on va être là toute la semaine, et commencer à mettre des choses en place pour tester de nouveaux usages. On est bien sur des usages, pas forcément sur des objets esthétisants ou sur rajouter un gros chauffage pour que cette grande salle soit chaude. Peut-être identifier toutes les salles de réunion, avoir toutes la même belle plaque. Ça, normalement, ça change pas, quoi. Écrit gros. Et là, limite, mettre de la couleur ou quelque chose qui sort. Et en plus, les salles de réunion ne dépendent pas de services. C'est utilisé par n'importe qui. Oui, ça tend à un autre code. Avant, je pense que c'était par service, mais comme trop nombreux, trop de demandes, c'est mutualisé. Les dames de l'accueil, c'était une vraie question. Je dis, est-ce que quelqu'un est allé avec elles monter aux étages, rencontrer les gens, etc. Non. Donc en fait, elles ne sont jamais montées. Elles n'ont pas. C'est la formation de base, quoi. Donc, elles ne visualisent pas où est-ce qu'on les envoie.